Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici les informations. C'est ma TV en bref. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet a annoncé son partenariat financier dans l'organisation de l'activité Flash sur nos entrepreneurs, initiée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, qui se tiendra le 19 janvier 2023 à 17h au cabaret Cogeco à Montmagny. Cette activité fait suite à la réalisation d'une dizaine de capsules vidéo entrepreneuriales ayant pour objectif de promouvoir de jeunes entrepreneurs de la MRC de Montmagny. Au-delà de la reconnaissance qu'apportera cette activité, elle permet aussi à ces jeunes leaders de briser l'isolement, favoriser le réseautage et faire la promotion de leurs produits et leurs services. Par Action qui dessert la région, un service ambulancier a informé mercredi dernier qu'à partir du 15 janvier prochain, le secteur de Montmagny réalisera la conversion de quart de faction en quart à l'heure, telle qu'annoncée en juin 2022 par l'ex-députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Le 15 janvier prochain, on a un ajout d'effectifs qui se fait dans notre secteur. Donc, présentement, ici, on a deux ambulances, une qui est sur des quarts à l'heure, prêts à partir tout de suite comme notre équipe ce matin. Et on a une autre équipe qui sont de type faction, donc qui sont à la maison et viennent en support à l'équipe, à la première équipe. Ça occasionnait des délais de peut-être des fois 10 ou 15 minutes, alors qu'on sait que pour une réanimation efficace, on se doit de faire les manœuvres en dedans de 4 à 5 minutes. Pour en arriver à un tel changement, Québec a injecté localement un montant de 111 894 pour 4 380 heures par année en mode horaire régulier, financement qui sera bien entendu récurrent. Immobilier, après l'escalade des prix des dernières années sur le marché immobilier, les acheteurs espèrent que la chance jouera en leur faveur en 2023. La chance a peut-être déjà tourné, les prix ont reculé depuis le printemps dernier, les surenchères sont moins fréquentes et les économistes prévoient la fin des hausses du taux directeur de la Banque du Canada. Et au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a connu un début d'année difficile en encaissant 3 revers consécutifs contre les Prédateurs de Joliette, les Panthères de Saint-Jérôme et les Cobras de Terrebonne. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de cmatv.